Les amis, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé un match de football jusqu'à pleurer. Je n'ai jamais regardé un match de football jusqu'à pleurer. Oh, le match qui vient de finir. 3-1. 3-1. En fait, rien ne me surprend, même. Rien ne me surprend, je m'attendais. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Surtout quand on a dit que Aboubakar Vincent et Clinton Djé, bon, même pas Clinton Djé, parce que même s'il était là, il devait faire quoi. Aboubakar Vincent a signé forfait. J'ai dit à certains gars depuis que Aboubakar Vincent a compris qu'il n'y avait personne au stade. Il devait jouer avec qui? Le gars préféré garder. Donc, en fait, c'est un pro, non? Le gars ne voulait pas salir son image. Donc, il préfère pas salir son image. Quand vous voyez au stade là, une équipe qui n'a pas de défense, qui n'a pas de milieu de terrain, qui n'a pas de finish, qui n'a pas de neuf. Pourquoi vous n'avez pas loué Fofo Club de Baham pour la CAN? Pourquoi vous n'avez pas loué l'équipe Fofo Club de Baham pour la CAN? C'est quelle honte ça! C'est quelle honte ça! Je suis dépassé. Même parler me dépasse. Vraiment. C'est juste on reste camerounais, les gars. On reste camerounais. Regardez vous-même les buts qu'on encaisse. On en a. Toi-même, tu viens pousser le ballon. Un ballon que tu peux même arrêter, même à sec. Tu pousses. On marque. Je vais même commencer. Je vais dire que je suis même perdu. Je suis même dépassé, mon frère. Mes frères camerounais là qui criaient en Côte d'Ivoire, vous êtes partis faire quoi? Prendre la honte là. Ok, revenez alors. Revenez. Vous pensez que c'est le dernier match là qu'on va faire quoi? Même le dernier match avec l'équipe qu'on a là, on va perdre. Notre coach nous a dit quoi? Que Dieu va nous aider. On avait oublié que le Sénégal ne croit pas en Dieu. Le Sénégal ne croit pas en Dieu. Ce n'est qu'au Cameroun que Dieu existe. Mais Dieu nous a lâchés ce soir. Dieu était avec le Sénégal. Quand vous ne pouvez pas laisser le Goberson, tu devais être un bon mannequin, grand frère. Pardon, tu connais la sape. Tu es un sapeur. Tu peux nous laisser un peu l'équipe là. Je demande juste pardon. Est-ce que tu peux nous laisser un peu l'équipe là? Parce que est-ce que tu es footballeur? Va faire les photos. Tu es photographe. Moi, je ne sais même pas comment vous sélectionnez même vos joueurs là. Je ne sais même pas sur quelle base vous sélectionnez les joueurs. Au moins, c'est 4 buts propres. 3. Au moins 3. Même à la dernière minute, là, avant le troisième, notre troisième but qu'on a encaissé. Le coup de tête là, le gars, on l'appelle, je ne connais même pas le nom des nouveaux joueurs là. Des mouilleurs là. Oh, le coup de tête, tu aimes. Mon frère, tu t'aides quoi? Ça va où? Tu ne connais pas où les goals sont positionnés. Ça, c'est quelle honte que vous voulez seulement nous partager l'AVC aux Camerounais. Vous voulez seulement qu'on passe au coucher au goudron comme ça, la voiture monte sur nous. Sortez un peu voir comment le dehors là est calme. Le dehors est silence du cimetière. On a fait quoi pour mériter même ça? Mieux on ne partait même pas à la canne là. Parce que les Ivoiriens vont nous finir, la belle famille va nous finir demain. Ils ont déjà commencé. C'est grave. On a fait quoi pour mériter ça? Quoi la honte tous les jours? En tout cas, passez une bonne nuit, les amis. Je suis dans mon nouveau laboratoire que je viens d'ouvrir, comme vous pouvez voir là. C'est situé au niveau de Kounou. Carrefour et Kounou. Donc, j'étais en train de regarder le match là-bas, comme vous pouvez voir là. Je profite aussi pour vous présenter un peu. Donc, voilà la grosse machine qui imprime les grosses photos. Qui imprime les agrandissements, les petites photos, tout ça. Donc,
sur le nouveau laboratoire Vision Pro. Vous pouvez constater là. Donc, j'invite mes fans à venir me soutenir. Venez tirer vos photos de téléphone ici. Donc, quand vous êtes du côté de Carrousel, en montant, on trouve à 400 mètres. Mais quand vous êtes du Carrefour de Kounou, en descendant à votre droite, on trouve à 200 mètres du Carrefour de Kounou. Voilà. Passez une bonne soirée, passez une bonne nuit et n'essayez pas de s'éveiller dormir. Parce que là où je suis, les gens très mal. Vraiment, les lions de la honte.